Coucou, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est le jour de mon anniversaire. Nous sommes le 12 juin 2021, n'est-ce pas? Je fais 41 ans, enfin j'ai fait ce matin quoi. Et je propose de vous emmener pendant le week-end en fait avec moi, quelques petits moments, et puis ben, peut-être des cadeaux, j'espère un peu quand même. Donc peut-être des cadeaux. Donc là, je dois rejoindre, nous on est samedi. Je dois rejoindre Lily Muse chez elle, plutôt après-midi, tranquille, j'allais dire plage. Non, elle n'a pas la plage chez elle, mais elle a une piscine. Et du coup, voilà, ça va être en mode à l'extérieur. Donc je vais me faire un petit make-up rapide pour être présentable si jamais je vlogue un peu ou quoi. Je vais mettre ma base de chez Makeup Forever, qui est une base avec un SPF 50. Je pense que c'est le minimum. Et ensuite, j'hésite. Soit je mets ma CC crème de chez It's Cosmetic. Soit mon fond de teint. Je vais peut-être mettre la CC crème quand même. J'ai celle de chez L'Oréal aussi, mais je crois qu'elle n'a pas de SPF. Et je voudrais. Oui, je sais, le make-up, le SPF, rien, mais voilà, ça me fera deux couches sur le visage, n'est-ce pas? C'est mieux que rien. Bah, je vais peut-être mettre la CC crème, tiens. Donc j'en mets vraiment beaucoup. Bah, c'est presque un vrai solaire, j'ai l'impression. Donc vraiment, j'y vais gaiement. Voilà, nous sommes 5 minutes plus tard. La crème est quasiment absorbée. Donc c'est parti. Ce que vous voyez ici, c'est mon tapis de yoga. Oui, j'en fais chez moi. Et puis toute jeune, c'est la light medium, moi, que j'utilise. Je sais pas si le combo des deux, j'ai jamais testé, je crois pas. Je vais venir poudrer l'ensemble de mon visage avec la poudre By Terry, la hyaluronique. Moi j'ai la teinte Apricot Light et elle est bien de saison. Je vais faire un peu de contouring avec ma nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir. Sous le charme. Je vais juste venir me mettre un peu de bronzer Black Star de chez By Terry, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Et puis je vais faire un creux et puis la bouche, j'ai bien envie de tester ça. C'est un rouge à lèvres de chez Loti London. Je n'ai jamais testé, c'est un métallique, le chouk. Donc je vais mettre ça. Je vais mettre un peu de mascara waterproof et j'en ai qu'un waterproof, même si mon Yves Saint Laurent, à mon avis, tiendrait tout le temps. Mais c'est pas grave. Je vais mettre le Lash Paradise de chez L'Oréal parce que Yellow vaut bien. Même, tu sais. Si t'as moins de 30 ans, je ne suis pas sûre que tu comprennes. Je ne compte pas mettre la tête sous l'eau, mais au cas où les gamines nous arrosent, tu vois. Je vais fixer un peu quand même avec le slick. Pour l'instant, j'ai pas trop d'avis. Petit instant ASMR. Déjà, il mouille un peu trop à mon goût. Voilà, c'est parti.
Je vais mettre mon maillot de bain direct, je crois. Et puis, je sais pas comment je vais m'habiller. Et en avant, la plage. On y croit. Sauf que toi, faut que tu sois comme ça. Mmh. Je pense avec le moment là. Je vois, ça. Bon, j'ai pas pu profiter de mon code Gold, on me l'a interdit. C'était court en même temps. Oui, bah, ça aurait été suffisamment long pour. Bref. Oui, il était court ce Gold, hein, c'était même pas 24. Oui. J'exagère. Bon, bah, merci beaucoup. Happy birthday. Je vais ouvrir mes premiers cadeaux. Alors, cette année, j'ai économisé le scotch. Ça commence bien. Vous connaissez le Moonstruck? Moonstruck qui s'appelle, ouais. C'est une mascara qui est vraiment bien. J'en ai fini un. Il était vide. C'est cool. J'ai trop de elle veut filmer parce que c'est sa marque, tu sais. C'est ça, mais je vais pas filmer que ça. Bah, bah, vous allez voir un vlog dans un vlog. J'ai commencé un vlog aussi. Par contre, je pense que tu parles plus fort. C'est possible, oui. Hein? Tu l'as entendu là? Ouais. Je te dis, moi je coupe la vidéo. Je suis c'est comme le portable. Ah, il y a ma fille qui s'étouffe. Hein. Je vais te faire une pause. Elle sous moi-même. Tu t'hydrates? Ça a l'air d'aller. Oh! C'est comme le port salut. Joli! Hein? C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Ouais, c'est écrit grain de malice. Attends, mais il va se joli! Attends, mais on a 10 km, c'est la caméra, ouais, elle est au bout du monde. J'ai gommé mes lunettes bleues. Très beau. Je sais pas si t'as remarqué, j'ai le même. Oui. Ah bon, le B3D. Ça lui irait bien quand même. Il est louche. En plus, il est réglable et tout. Attendez. Et alors, ce que j'aime bien, je pensais que ça m'agacerait, mais les petits bouts. L'étiquette, ouais, c'est chiant. Les petits bouts, ils bougent. Bah, teste pas les bleus alors. C'est mignon. Très joli. Les roses, merci beaucoup. Les un bout de papier recyclé. Waouh. Adore. Et j'ai bien mis les bleus. Alors, Charlotte le sait pas, hein. Mais vu tout ce qu'elle s'est pris dans la gueule. Alors, la revoici avec une nouvelle teinte qui s'appelle Yes Oni. Donc, c'est anciennement le. Ah, je n'ai pas trouvé le nom. Il portait un autre nom, ils l'ont modifié, il s'appelle Yes Oni. Le mien n'a pas à l'ancien nom. Hey, Burn Honey. Ça y est, ça m'est revenu. Et pourquoi ils ont changé de nom alors? Parce que Hepburn, fallait, ah, je sais pas. Elle a râlé, elle voulait pas que son nom. Non, mais d'accord. Donc on a un beau nude. Merci beaucoup. Alors, normalement, c'était pas celui-là. Oh, j'ai des massages au dos. Tiens, tu veux des massages? Normalement, c'était le nouveau que, bah, que j'ai aussi, le nude romance. Sauf qu'évidemment, il est en rupture. C'est très bien. Parce qu'il est genre très beau. Yes, on est. Bah oui, mais ce qui était bien pour un anniversaire, c'est qu'il était tout gravé avec les petits cœurs sur le bâton et tout. C'était encore plus joli. Tu es jolie. Thank you. Next. Ouais, je suis pas d'accord. Là, on a du papier. Regarde, je vais faire une bouteille de l'eau. Voilà, c'est bien. Parce que je le vois bien. Ouais, mais je l'ai acheté. Il est mort. Alors, tu comprends bien mon petit commentaire? Alors, elle s'est énervée parce que j'en ai racheté un sur Vinted et je comprenais pas pourquoi. Elle me disait, il faut que tu arrêtes d'acheter des trucs, je fais quand même encore ce que je veux. Et ben, c'est peut-être pas cette teinte que j'ai pris. T'as pris la teinte en dessous? Alors, moi, j'ai pris deux teintes en dessous. Là, elle est sur pause. Parce que 130, moi, je crois que j'ai acheté celle d'en dessous. Et je suis bien. C'est laquelle pour toi? Celle-là. D'accord. C'est pas possible, la teinte en dessous, elle serait trop claire. Eh ben non. J'ai pris deux teintes en dessous, je te promets. Mais c'est peut-être qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Genre 130, 140, 150, c'est ce que tu veux dire? Essaye de mettre les palmes dessus. Je sais pas, moi j'avais au départ. Je vous renvoie à ma vidéo si vous ne l'avez pas vue. Oui, ou tu le.
Je vais voir. Mais bon, comme celle que j'ai achetée sur Vinted, elle est explosée. Tu devais être contente, hein, qu'elle soit explosée. Bon, après, donc, c'est là, un... là, c'est... là, elle est entière. C'est des produits qui durent pas. Je suis en train de voir le fond. Ouais. Donc ça, parfait. Merci. Parce que j'utilise vraiment souvent. Ça ira, du coup. Ouais. J'ai ma commande L'Oréal pour mes produits de. Il y a une petite carte. Bon, c'est trop mignon. C'est de saison, hein. C'est trop mignon, ça. Attends, il est où le petit soleil? Elle m'a marqué en post-scriptum, après me dire que je suis merveilleuse, que machin. Elle m'a marqué, dernier cadeau, un bon d'achat de 10 euros chez Unique. C'est le petit plus. Merci bien. D'autres, ils ont pas de cadeau. Tu vas. Bonus. Oh, c'est énorme. Oh, joli. Ah oui. J'ai failli l'acheter il y a pas longtemps. Il paraît. Trop mignon. Ouais, j'aime bien. Ah, pour les yeux, ça va être aussi chouette. Voilà. Donc on a un joli miroir ici. Là, tu vois, ça fait rien. On a deux teintes. Et ça fait pas très longtemps. Le bronzer. Et somme toute très chaud. Donc vraiment d'été. Bah oui, vraiment d'été. Ouais. Et. Mais pour les yeux aussi, pareil. Bon, je sais pas si vous verrez. Trop choupi, j'adore. J'ai hâte de tester. Ah ouais, là, tu vois, là, c'est nul, là, tu fais ça, ça dit rien. Là. Et le miroir est vraiment bien. Là, tu vois, t'as vraiment une sale gueule. Surtout qu'il fait un peu 40 degrés. Mais il fait chaud, en fait. Hein. C'est ça, puis il n'y a pas d'air. Hein. J'attends de mettre mes lunettes, en fait, ça va massacrer tout le coin. Allô. J'attends d'avoir fini de filmer. Donc moi, je n'arrive pas à éviter de voir massacre. Voilà. En plus, je suis un peu bien marron. Oh, c'est déjà fini. C'est déjà fini. En fait, il fait deux dernier fois. Cadeau. C'est la fin des haricots. The last one. Maybe a palette. Ah. Une palette somme toute en espèce de métal. Alors on va quitter Charlotte. Ouais, on n'a pas essayé de deviner, dis donc. Oui, c'est ce que je disais, Natacha, Natacha, elle s'en est pas pris plein la gueule. Non, c'est Charlotte. C'est Charlotte. Et là, je me demande si c'est pas Natacha. Charlotte, elle nous agace aussi parce qu'elle met pas tout sur ses fourrins, donc c'est galère pour que là, si vous devinez, on est sur un format classique des palettes à 65 euros de Natacha des Nonas, c'est pas 65, 68, 65. Et donc, bon, moi j'en ai qu'une. J'ai la bronze palette. Oui, oui. J'ai la bronze palette. Sachant que j'ai hésité un milliard de fois à m'acheter la glam. Non. La glam. La. On l'a fait. Assistante, bon, bah pour quelqu'un qui n'a pas de palette. Donc la glam palette. Et sinon, la dernière, je ne me souviens même plus à quoi elle ressemble. Ah, la Zendo. Non, il y en a une autre qui est sortie encore. Oui, la. La quoi? Circo Loco. Ouais, je suis peut-être pas trop loco moi. Moi j'hésitais. Hein. Après avoir vu pas mal de retours, quand même, t'as de quoi faire du nude dedans quand même. Je les ai. Ah, il faut que je fasse un choix. Viens, on danse. Non, mais la Circo, c'est, la, elle est plus chère parce qu'en fait, c'est la, elle, c'est la taille au-dessus. Donc c'est pas celle-là. Voilà. Okay, donc moi je dirais que c'est la Glam Palette. Et ce serait trop. Brûle maintenant. Trop cool. Même si même une autre me plairait aussi. Yes. Cool. Merci. On va regarder si elle n'est pas cassée, parce qu'elle reçoit que des palettes cassées. Ah, ça va, il m'est renvoyé. Je pense que vous la connaissez. Elle est impeccable. Sachant que j'ai déjà testé, j'avais fait deux maquillages avec parce qu'on se prête les palettes. Sinon c'est pas drôle. Pour moi c'est l'avantage comme ça d'avoir des idées. Mais ouais, elle est magnifique. Non, c'est un truc vers lequel tu rentres toute l'année. Ah ben moi c'est tous les jours. C'est tous les jours. Mais merci beaucoup madame, je t'embrasse pas, c'est interdit. Mais le cœur y est. Merci. Je sais pas filmer.
Attends, tu couperas. Avec mon maillot Chine. Bon, je me suis changée. Ma robe était dégueulasse. Je pense que vous en êtes rendu compte. Le chien de l'Élimuse m'a bavé partout. Bref, ma fille continue à crier, même si elle n'est plus dans la piscine. Je me suis changée parce qu'on on va au resto avec mon mari et ma fille. Donc, let's go. Bonjour, bon, je viens de finir de filmer ce make-up, je vous en dis pas plus, parce qu'il va sortir après, donc je me tais. Il est 11h15, j'ai déjà fait un tour à 9h du matin avec ma fille au vide-grenier, donc genre à 3 pas de chez moi, parce que ma rue est barrée, du coup c'est pratique, hein. T'as pas besoin de chercher une place, t'es heureux. Bon, j'ai pas trouvé non plus des merveilles. Eh bien écoutez, moi je m'apprête à partir fêter mon anniversaire avec mes parents, ma sœur, mon beau-frère, mes deux nièces et mon mari et ma fille bien entendu. Donc j'ai hâte. J'ai déjà super chaud, je suis trempée sous... j'ai les cheveux très épais. Donc moi quand il fait chaud, t'as beau me faire couper. En fait, il faudrait que j'ai la boule à zéro pour être bien, clairement. Mais bon, ce n'est pas très sexy. Enfin, ça dépend pour qui, mais pour moi non. Voilà, voilà, je vais prendre mon maillot de bain, je pense que je vais me plonger dans la piscine chez mes parents dès que je vais arriver. Les lunettes, ce sera pour après. Putain, je me suis donné un coup, quoi. Non, ça va. Bref, c'est parti, je vous emmène. Il est 17h30, j'ai les cheveux mouillés, faut que j'aille prendre ma douche. Les yeux en tenue, par contre, le visage quand tu te fais arroser, c'est compliqué. J'ai pas pu vous montrer les cadeaux pendant que je les ouvrais parce qu'il y avait ma nièce autour de moi et que voilà, elles sont petites. Donc je vous montre ce que j'ai vu. J'ai eu un magnifique sac à main.
Donc version cartable en cuir, tout doré avec, voilà, c'est style un peu vieilli. Donc il est magnifique. Donc la marque, je connaissais pas, c'est Paul Marius, vraisemblablement c'est un français. C'est fabriqué en Inde. Voilà. Donc moi j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais il est vraiment magnifique. La taille, c'est parfait. Moi j'aime pas plus gros ni plus petit, donc c'est idéal. Et il est vraiment sympa, quoi. Et donc ça se ferme comme ça. Voilà. Ensuite, bon ben j'ai eu des essaims en veux-tu, en voilà. Bien entendu. Hein. Voilà, je suis la princesse aux arcs-en-ciel, n'est-ce pas? De la part de ma soeur, j'ai eu un bijou Pandora, j'ai oublié le nom du truc, quoi, un charme. Il faut que je sorte mon bracelet. Donc en fait, il y a deux petits trucs comme ça, avec des petites étoiles. Là aussi, il y a des petits diamants. Et il y a écrit Sisters. Donc il y a marqué You don't always see them, but they're always there. Donc tu ne les vois pas toujours, mais elles sont toujours là. Donc sympa. C'est un petit message très sympathique. J'adore. Et pour terminer, le dernier cadeau. Yeah, mes premières Nike. Je n'avais pas de Nike. J'ai jamais eu de Nike de ma vie. Donc là, c'est des Nike Air Force One. Yeah. Yeah. Je vais sortir qu'une chaussure. Donc voici la chaussure. Donc j'ai choisi ce modèle parce que ils sont surélevés. Quand tu es petite, c'est bien d'avoir une plus grosse semelle. Je sais pas si vous voyez la double virgule. Donc en fait, l'argenté, c'est comme si c'était un peu l'ombre de la dorée. Sur le devant, voilà, on a ici, c'est marqué en or. Et puis, c'est quoi l'autre détail? C'est derrière. Donc derrière, voilà. On a le petit retour argenté ici. Franchement, j'adore. Dites-moi en commentaire si vous en avez, si vous aimez. Mais je suis trop contente. Mes premières Nike. Voilà, cette vidéo est terminée. On va tourner la page et passer à autre chose. Hein. 364 jours ou 3 maintenant peut-être devant moi avant que ce soit de nouveau mon anniversaire, mais il y aura plein de belles choses, j'en suis sûre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce petit vlog, si ça vous a plu, ça change un peu d'habitude, il y a eu plusieurs endroits. Quant à moi, c'était un plaisir, je vous fais plein de bisous, encore merci pour tous vos messages et vos cadeaux si vous passez par là. Des bisous, à très bientôt, salut.